En 1948, je me suis présenté à l'IDEC, c'était l'école de cinéma. Donc j'ai échoué en 47 et en 48. Mais j'ai pu rentrer comme auditrice libre. J'assistais à tous les cours d'histoire du cinéma, comment faire un découpage, qu'est-ce que c'était que le métier de script. Mais je n'avais pas le droit de faire du montage, c'est-à-dire de toucher la pellicule, ni de charger une caméra. Pas de travaux pratiques. Je n'avais droit qu'aux cours théoriques. Et à la fin de l'année scolaire, ils faisaient chacun un petit film en 16 mm. Et j'ai été script sur tous leurs petits films. J'ai hésité un moment entre monteuse ou script. Enfin, j'ai préféré être script parce que être script sur un plateau, on est utile à tout le monde. Avec l'accessoiriste qui vous demande la soupe, elle doit être chaude ou froide. Avec l'habilleuse, le bouton est fermé ou ouvert. Avec la coiffeuse, il y a la mèche devant ou en l'air. Enfin, hein. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'anglais. Et à l'époque, nous étions 45 scripts seulement. Et sur ces 45, il n'y en avait que 5 qui parlaient anglais. Donc ça, c'est le travail de préparation. Donc il y a le pré-minutage. D'abord, on reçoit le scénario et il faut le pré-minuter. Quand il y a du dialogue, c'est beaucoup plus facile. Évidemment, s'ils sont amoureux, alors il faut lire lentement. S'ils sont fâchés, il faut lire rapidement. Et puis, quand ils disent, bon, il la déshabille. Dépend dans quel siècle. De nos jours, trac, tac, on est nu facilement. Mais à l'époque de Louis XIV, hein, il y avait beaucoup de choses à enlever. Le minutage est beaucoup plus long. C'est ça aussi, hein, il faut faire attention. Et puis, j'ai été demandé Hiroshima, mon amour. Les producteurs voulaient que tout ce qui se passe à Hiroshima en couleur et tout ce qui se passe à Nevers en noir et blanc. Et René a dit non, je veux tout en noir et blanc. Avec deux pellicules différentes, il y avait la Fuji au Japon et la Kodak à Nevers, et avec deux chefs opérateurs différents pour que ça ne soit pas le même style de photo ni le même style de cadrage. Marienbad, et vous voyez ces arbres dans Marienbad, c'est des arbres faits par le décorateur. Tous ces petits arbres-là, c'était pas dans le jardin. Dans le jardin, parce que c'était très pratique, je faisais mes rapports, c'était mon bureau là. Pour Marienbad, j'ai fait une continuité chronologique. J'ai demandé à mon beau-frère qui était professeur de maths. Et il y a les numéros des plans. Donc en bas, c'est l'ordre, si vous voulez, c'est l'ordre du film, des séquences du scénario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va jusqu'au numéro 241. Pour chaque numéro de plan, il y a le décor. C'est en 1967. Il y a le début, qui est normal. Et puis tout d'un coup, oui. Il y a les flashbacks. J'ai utilisé ce système dans les films où il y a beaucoup de... Il y a les flashbacks, puis après ça revient de nos jours. Et les points en bas, c'est nos jours, c'est 1967.
Tati comme Polanski, ils ont une doublure, chacun a une doublure qui a la même taille que lui. Il joue une scène, puis il demande à sa doublure de la refaire et de voir. Comme ça, il se rend compte. Alors parfois, alors moi je notais ce que faisait et puis ce que faisait la doublure. Bon, mais parfois la doublure ne faisait pas tout à fait la même chose. Alors je disais à Polanski ou à Tati, lui il a fait ça comme ça, vous vous l'avez fait comme ça. Alors parfois il disait ah moi je préfère ce que j'ai fait, puis parfois il dit ah c'est une bonne idée, je vais faire ce qu'a fait la doublure. Ne pas être bavarde. Parce qu'il faut tout écouter, noter, etc. Hein. Et ne pas être susceptible. D'accord. Ni se vexer facilement.